Salut tout le monde, nouvel épisode d'Aller Plus Loin, le dernier de la saison 1. Oh, c'est bien dommage. Mais bon, on va se retrouver en septembre, vous inquiétez pas. Ouais. Donc vous allez avoir les moments off, quelques bloopers, et vous allez voir, bon, on est productif, mais on se marre aussi. Oui, j'ai gardé une dernière séquence pour vous, bloopers, c'est parti. Okay. Je peux mettre les pieds comme ça? Oui, tu peux. C'est juste que t'as pas de pied, mais... Il est à la plage, genre, t'as dû mettre en tong. Je vais mettre comme ça. Ok. Attends, là, vas-y, c'est bon. Caméra, c'est bon, quand tu veux. Faut que je fasse 3, 2... 3, 2, 1... Action. Guillaume, je pense que t'as un partage à nous dire. Oui. Enchaîner, c'est marrant, Guillaume. Faut pas c'est s'arrêter cool. aux erreurs. Non, mais c'est cool, ça me fait de la... Ça me fait du blooper, oui, je me suis entendu, tu m'as entendu. Ouais. Voilà, c'est bon, c'est lancé quand tu voulais. Quand vous voulez. Quand tu veux. Ok. C'est qui parle, c'est toi ou moi? Bonjour à tous. Je suis mort derrière, désolé. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous. Je sais pas quoi faire. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Chao. T'as eu me dire merci Guillaume, non? Mais non, je change tout le temps moi, c'était avant okay, ça. Salut tout le monde, j'espère. Salut. Vas-y. Chao. Allez. Attends. Oh là là. Allez, c'est parti. Et il faut oh faire non le... C'est fini. Je peux pas partir. Ah, c'est sérieux. Non. Ça peut être dans les bloopers. Ça peut être dans les bloopers. Bonjour. Ah mince, ça enregistre encore. Non, j'ai fait exprès. J'ai rappuyé pour avoir ça dans les bloopers. Merci Camille. Ah, quand Xavier parle, il sort des confettis. Vas-y, c'est parle ça, lui. Ok, on va faire autre chose. Après, il faut faire une réunion. Comme on a fait comme... The Reunion. D'aller plus loin. The Reunion, aller plus loin. Pour cette... Ah, ça pourrait être trop marrant. C'est le médecin. Tu sais, quand ils rentrent dans le studio, on leur fait la même chose. Quel souvenir. The Reunion. Ah, cet été, tu vois. Ah, je suis comme... Ah, allez, on finit là. Alors, pour les camps, on fait ça pour les camps. Ouais. Oh, ça serait trop marrant, on fait ça pour les camps. Philippe, il arrive sur la propriété, que ce soit sur un lit. Oh, wow. The Reunion. Ça serait pas mal ça. Ça pourrait faire un truc comme ça, un bloopers de décor. Séquence bloopers. Ça me fait trop rien. On devrait faire le truc The Reunion. Je vote pour. Ok, bon, donc allez, t'as un partage pour nous? J'ai un petit partage. Et en Matthieu 6, au verset 25, et qui dit ceci: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et j'aime beaucoup ces paroles de Jésus parce que ça me reprend moi beaucoup pourquoi moi je suis en train de m'inquiéter aujourd'hui. Alors à cette époque, peut-être que les vêtements et la nourriture, ça avait beaucoup plus de sens qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a très facilement 3 repas par jour, on a très facilement des vêtements, enfin en tout cas pour ma part. Merci Seigneur, quand j'étais enfant, j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu peut-être des gens qui m'ont donné aussi. Mm-hmm. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et peut-être que nous, Européens, et c'est pas une préoccupation, voilà, mais peut-être que nous, on se préoccupe du coup pour des choses qui sont encore plus futiles que la nourriture et que les vêtements. Peut-être que tu te préoccupes pour où est ton téléphone portable. Et quand tu l'oublies, t'es complètement paumé. Est-ce qu'il reste de la batterie? Combien il reste de batterie? Est-ce qu'il y a une prise quelque part? Où est la prise? Et donc du coup, moi en tout cas, j'ai l'impression que dans ma propre vie, et je m'invente des inquiétudes. Mmh. Et je m'invente des problèmes en fait qui en réalité ne sont pas des problèmes. Mmh. Et quand j'ai lu ça, et dans la parole, ça m'a beaucoup repris. Et parce qu'au final, est-ce que vraiment... je m'inquiète des choses du Seigneur.
Parce que dans ce passage, on va pas tout lire, mais on va prendre simplement l'exemple qui prend juste après verset 26. Il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Et tu vois, le simple exemple des oiseaux... Ça existait déjà, les hashtags. Le simple exemple des oiseaux et nous rappelle que le Seigneur, il prend soin de nous. Et en toutes circonstances, et il se préoccupe pour nous. Mmh. Et Dans tous les moindres détails. Et si on peut le voir prendre soin d'un petit oiseau, combien il va pas plus prendre encore plus soin de nous. Mmh. Donc ce soir, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Je veux pas aller trop loin. Et de quoi te préoccupes-tu? Et quand on continue, à la fin, au verset 33, il va dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Quand même, il va nous dire hein, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Est-ce que vraiment ma préoccupation, elle est sur ma sanctification, donc c'est-à-dire ma façon de vivre, ma façon de parler aux autres, ma façon justement de où vont mes pensées, où est mon cœur, est-ce que vraiment je suis en train de me préoccuper de ces choses-là? Ou alors, je m'invente des problèmes dans ma vie. Et vous savez, je suis pas en train de minimiser les problèmes que tu as, ou même les problèmes que moi j'ai dans ma propre vie. Ce que je suis en train de dire, c'est que le Seigneur, il est bien plus grand que tes problèmes, et il se préoccupe pour toi. Et ouais, et l'importance de faire le switch, en fait, où... Genre, c'est humain d'être préoccupé, enfin d'avoir ces préoccupations-là, mais du coup, d'avoir tout de suite le réflexe de pas justement être focalisé sur les problèmes et de du coup les remettre à Dieu. C'est vraiment avoir ce switch-là. Remettre mes problèmes dans les mains du Seigneur. On peut avoir les problèmes les plus grands du monde, et le Seigneur, il sera là pour nous répondre, il sera là pour nous consoler, il sera là pour nous réconforter, il sera là pour être avec nous dans la joie, mais aussi dans la tristesse. Mais en tout cas, c'est un défi, parce qu'on va vous quitter malheureusement. On va avoir une petite pause, on va se retrouver à la rentrée. Mais de quoi, où va être votre préoccupation cet été? Où va être ta préoccupation pendant les vacances? Qu'est-ce que vous allez faire de votre temps? Et en France, on a la chance... Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais on a beaucoup de vacances. Ouais. Et ça nous laisse beaucoup, beaucoup de temps de penser, d'imaginer, d'avoir des projets. Mais de quoi tu vas faire avec ce temps-là? Et est-ce que tu vas perdre ton temps? Ou est-ce que vraiment tu vas utiliser ce temps pour apprendre un peu plus du Seigneur? Et pour chercher son royaume? Et pour chercher la priorité que le Seigneur il veut qu'on ait dans notre propre vie? Et moi, quand je relis encore une fois ces versets et toute cette partie, je vous invite vraiment à lire du 25 jusqu'au 34 même, et de voir combien Dieu, il s'occupe de toi. Il est intéressé par ta personne. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait du bien, de penser à ce que ce Dieu d'univers qui a tout créé, il s'inquiète pour moi. Il m'écoute. Et tu peux prier à lui parce que le Seigneur t'écoute. Et ça, encore une fois, c'est encore incroyable. Donc, le défi, vas-y. Il y a juste un truc par rapport à l'inquiétude aussi. Je me souviens pas de la citation, mais je l'avais entendue quand j'étais à l'Institut biblique. Mais en gros, c'est l'idée que, en fait, à quoi ça sert de s'inquiéter, en fait, pour. Ça nous pompe notre énergie, en fait. Et en fait, on reste toujours à la même place. S'inquiéter, ça. Ça fait pas, comme la vieille expression, ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. On est toujours au même stade. Et du coup, c'est quelque chose, à chaque fois que j'essaie de penser, quand je sens que je suis en état d'inquiétude et que c'est pas productif, parce que c'est rare que l'inquiétude, ça soit productif, en fait, je me dis, mais arrête, ça sert à rien. C'est dans ces moments-là où, du coup, rappel, il faut prier, voilà, se remettre dans les mains de Dieu et avancer et laisser Dieu au contrôle. Tu sais, moi, et souvent, on a des problèmes dans nos vies, on a des situations dans nos vies qui nous laissent, qui fait qu'on s'arrête et qu'on s'inquiète, justement, et qu'on a peur d'avancer. Et j'ai entendu quelqu'un dire cette phrase, il dit « Se rappeler du passé, c'est essentiel, mais le plus important, c'est d'aller de l'avant. » Quoi qu'il arrive, le plus important, il faut aller de l'avant. Et en allant de l'avant, on fait comment? On cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. On cherche d'abord à plaire à Dieu.
Et on cherche d'abord à sauver les âmes, à parler de Dieu à ses amis, et c'est là où doit être notre préoccupation. À ces personnes aussi qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Donc vraiment, le défi que je veux laisser pendant ces vacances, c'est que tu te préoccupes pour toi-même, pour comment est ta vie avec le Seigneur, où tu dois faire des efforts, et aussi pour ces personnes qui sont autour de toi qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Amen. Ouais, franchement, ouais, un bon encouragement. Et du coup, ouais, la saison 1 d'Aller plus loin, c'est fini. On se retrouve à la rentrée. Passez un bon été. Et nous, on a nos camps au mois de juillet. Si jamais tu sais pas quoi faire, tu veux venir à nos camps PDV, on a encore de la place. Du 11 au 17 juillet, il reste encore de la place. Voilà. Donc venez passer une semaine avec nous. Vous allez voir, vous allez pas le regretter. Moi, je me rappelle encore de ma première semaine de camp. Je dirais pas quand c'était. Peut-être que t'étais pas encore née. Donc, mais viens passer une semaine avec nous. Tu vas voir, ça va être super. Et si t'as plus de 18 ans et que tu veux passer aussi des camps et formidable à servir les autres, t'es aussi le bienvenu. Bénévole, ouais. Et en tout cas, suivez-nous sur nos réseaux. On va balancer des médias aussi pendant l'été, pendant les camps. Et sinon, on espère que vous allez avoir un bon été. Et on se retrouve en septembre pour la saison 2 d'Aller plus loin. Salut! Ciao!